putain! Il faut pas que je... I'm so glad it's almost over. Congratulations, sweetie. Thank you. I'll never understand why you chose such a macabre field. There's nothing disturbing about it. It's just that I'm proud of you. I really am. Les pros de l'anglais, c'est maintenant dans le chat. So far. So, you haven't told me what's next. Will you get a job where you are, or... They actually have everyone they need. But my old teacher, Mr. Delver, transferred me to his office to finalize my internship there. Oh, well, that's good. I remember you mentioning him. Where's he located? Are you moving away from me? No. No, I'm not moving. He's actually located around here. River Fields. Oh, Rebecca. I don't like that. Grandma. Even I've heard things about that place. Just be worried people about you. People make up stories. Death is a scary thing to a lot of people. And we try to explain things we don't understand, and we want comfort when we lose someone we love. I mean, no one's embalming any ghost bodies or whatever. It's fine. Right, right. I'm sorry. But I wanted to give you this anyway. So, here. Oh là, qu'est-ce que c'est ça? I don't know if I want that. Just take it, please. It should be yours anyway. Thanks. Okay. All right, enough spooky stuff. I'm so proud of you. When is all this happening? When do you start? I've actually been there for a few weeks now. My review is tomorrow. Ok. Bon, je vais. Mais c'est compliqué pour moi de savoir. Je sais pas trop où me placer, les gars. Je vais me mettre là. Hein. C'est vrai, je sais pas trop où me placer pour le coup avec les sous-titres. Bon, on va mettre comme ça. Hein. Ok, donc là, on bosse à Riverfield Mortuary. C'est l'endroit où on travaille. On va voir ça. Hein. Donc on a parlé à notre maman, hein, juste avant. On a dit... Here we go. On s'appelle Rebecca, on a dit à la maman qu'on allait bosser là. On va voir comment ça va se passer. Allez, c'est parti Rebecca, en avant la musique. J'espère que ça va être bon. Hein. Un petit café. Oh, ça fait plaisir, c'est deux jours. Oh, je sens trop bien là. Ok. Oh, quelqu'un il y a du... Là, c'est pour les fusibles. Là, c'est moi, I'm Rebecca. Il y a toujours cette image creepy. Hein. Ah, cette image-là, toujours aussi creepy. Hein. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose ici. On va le lire hein, directement. Rebecca, one last thing I forgot to give to you. Please grab a pencil from my desk and sign bah, Zoé. Good luck. Ok, donc je prends le crayon comme c'est dit. Use to sign the paper work left on the door. Ah! Donc là, ça nous montre un peu le système d'inventaire, comment ça fonctionne. Parce que je vous rappelle, je crois qu'il y a l'histoire de la main gauche, la main droite. T'as ton inventaire. Je crois qu'il y a pas mal de trucs. Hein. Donc on va voir. Parce que je me souviens plus trop comment c'est le bail. Donc là, le papier est ici. Hein. Ou pas du tout. Ah voilà, pencil. J'ai pas lu par contre. Ah! Bon, apparemment tout le monde s'en branle. Bon, bah, très bien. Il commence à faire nuit là, non? Bonjour. Ah bonjour. Bonjour Monsieur Bertha. Bonjour Rebecca. Great, perfect timing. Oh, bah, bonjour, I just monsieur. Finished with Mr. Dalton here. Please wheel him back to cold storage and bring us Mrs. Page. D'accord, bah bonjour. Alors, c'est fou. J'ai toujours été toute seule et là je me retrouve pas toute seule du tout. Alors, il y a un monsieur dans la pièce. Moi j'allais parler à Monsieur Martin jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un de seul coup qui soit en mode. Ohé. Pardon, excusez-moi, je parle aux morts. Oui, mais oh, voilà. Ok, bah trop bien. Donc, il y a quelqu'un qui bosse avec nous. Il vient nous dire de prendre Monsieur Martin et d'aller le mettre dans la chambre froide et d'aller prendre Madame Page.
peut-être Madame Martine, hein, comme on l'a... Attends, par contre, si Martine s'appelle Paige, on l'appellera Martine Paige, et puis c'est tout. Use the gurney by standing behind the it and pressing the gurney interact key, then walk backward with the gurney down the hall. Gurney, c'est quoi? Attendez, je regarde la traduction parce que je veux pas vous dire... Alors, vous êtes beaucoup plus rapide que moi dans le chat, vous allez déjà donner la réponse avant même que j'ai eu le temps de lancer la traduction. Mais je vais quand même regarder. Ah, c'est la civière, du coup. Déménagement du décédé. Utilisez la civière en vous tenant derrière et en appuyant sur la touche d'interaction de la civière. Ensuite, reculez avec la civière dans le couloir. Ça va, ça nous est quand même pas mal expliqué. Donc, c'est assez cool. Donc, gurner, c'est civière. Ok. Bonjour, monsieur. Je me présente un petit peu. Moi, c'est Kilira. J'espère que vous allez bien. Sainte-Mère pour les intimes. Et bah écoutez, moi j'ai fait la démo de The Mortuary Assistant à 2-3 reprises. C'est pas mal. Vous en avez rien à foutre, hein? Bah oui. Bah, je voyais bien que vous n'avez rien à branler. Allez-y, hein. Votre sudoku, la réponse c'est 4. Hein, mais bon. Ok, j'y vais. Bon. Allez, c'est parti. Monsieur Gurney, c'est maintenant. On y va. Allez, monsieur Gurney, on y va. On rentre à la casa, comme on dit, hein. Vous avez fait bon voyage, monsieur Gurney? Ah, Cole de Sorage. To bring a body. Faut que je change cet anglais, c'est plus possible. Hein. In or out of cold storage, open the bay with the body name, pull out the rack, then move the car over to it. Ah, donc il y a les noms des gens. Ok, il y a les noms des gens dans le storage, je crois. Hein. Donc attendez. Ah oui, il y a le nom des gens, dis donc. Oswald Dalton. Et ça, c'est Madame Page, j'imagine. Dorothy. C'est Martine, hein? Je vais m'appeler Dorothy, hein? Non, 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 c'est Martine. Martine une fois, Martine deux fois, hein? Allez hop, monsieur! Monsieur Dalton, on y va! Je vous gare un petit peu. Ah, attendez, je vais vous ouvrir un petit peu parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué. Hop là! Et voilà! Alors attendez. Attendez, monsieur. J'arrive. J'attrape. Hop, je recule ça. C'est vraiment bien fait, franchement. T'es très bien. Enfin, tout est bien indiqué pour le moment, du moins. Allez! On y va, hein. Voilà. C'est bon, monsieur. Faites attention à la tête, je pousse, ça. Hein. Allez, hop. C'est bon. Toujours avoir le souhait dans ce genre de boulot, hein. Même si le mec vous répond pas. Vous savez, ça veut pas dire qu'il vous juge pas. Je place la civière. Le gurney, comme on dit. Hop. Et là, on ouvre... C'est... Oh, c'est Martine! Martine! Putain, je suis trop contente. La meuf, c'est un cadavre. Elle est hyper heureuse. C'est Martine! Oh, non, d'une pipe. Oh, Martine! Oh, je te fais la bise. Comment ça va, Martine? Oh, ça fait longtemps, putain. Et ça va? Mais dis donc, tu t'es requinqué, Martine? Elle m'a l'air moins... Mais... Elle m'a l'air... Mais attendez, elle a eu un petit coup de botox, là, Martine? Elle m'a l'air moins sécose qu'avant, dis donc! Fais voir ça! T'as lifté tes traits, toi, Martine! J'ai l'impression, non? Je sais pas trop, mais tu m'as l'air moins fatiguée! Ça se passe en ce moment. Ah, qu'elle a l'air un peu morte, hein, quand tu bouges comme ça, elle a la tête qui bouge de gauche à droite. Enfin bref. Oh, je suis trop contente. Allez. Ça va, Martine? Y va. Hop là. Ah, c'est bon. All right. Voilà. I'm just finishing up something here. So why don't you grab the clipboard and start recording identifying marks? Okay. I'll get out of your way when you're done and let you hop in here. Ok. Il m'a dit d'attraper le clipboard. Pour voir ce qu'il y a à faire, en fait, hein, tout simplement. Ok, en gros, le clipboard, c'est le tracking des quêtes de The Mortuary Assistant, clairement. Espace pour regarder le clipboard. Hop, espace. Donc, Martine Page, 87 ans. Record any disky, je sais pas quoi, mark, enter marking into computer. Ah oui, je me souviens de ça. Monsieur Martin, enfin monsieur, excusez-moi, je vous appelle Monsieur Martin, c'est vrai que j'appelle tout le monde comme ça. Bon, on y va. Donc là, il faut que j'inspecte Martine et que je regarde si elle a des traces sur le corps et j'en vois déjà une. Hein. Ah, over the cursor, over unique marking. Such a... Ok, donc je clique avec le curseur pour voir du coup, voilà, là, elle a un trait. Okay, voilà, c'est fait. Je rotate Martine. Non, ça me paraît plutôt pas mal. Par contre, voilà, je vais vraiment noter un trait ici. Hein. Mais bon. Putain, mais elle a les yeux ouverts. Mais attendez, elle avait les yeux ouverts, Martine, tout à l'heure? Attends, putain, je suis en train de baliser. Elle avait pas les yeux. Ah! These old windows never stay latched. Putain, il y a eu deux fenêtres qui a claqué, moi, c'est terminé. Hein. Bon, Martine, fais voir. Ok, fais voir les gambettes.
l'impression que t'as pas grand chose aux gambettes. Oh, petite trace ici. Petite trace là, hein. Griffure. Elle s'est faite griffer, Martine. Par contre, là, elle a un sacré truc, hein. Elle s'est faite bouffer par les vers ou je sais pas trop, mais qu'est-ce que tu m'as fait, Martine, là, fais voir. Là, ça va, mais... Putain, par contre, elle a un teint vitreux, puis des yeux... Ah, c'est bizarre. Bon, bref, je suis pas là pour juger, Martine, excuse-moi. Pardon. Alors, le clipboard, moi, j'ai remarqué, hein... Attends, clipboard, t'as des trucs, hein. Mais attends, monsieur, vous me demandez d'utiliser le computer. Mais comment j'utilise le computer? Vous êtes devant, monsieur. Monsieur, excusez-moi. Vous en avez toujours rien à foutre, hein. Bon, écoutez, je vais me débrouiller, c'est pas grave. Après, on a parlé d'une fenêtre. C'est laquelle qui a claqué? Parce que... C'est quelle fenêtre qui a claqué? Écoutez, j'ai envie de savoir, moi. Non? Bon. Écoutez, je vais continuer d'inspecter. Oh! C'est la même trace? Oui, ça a l'air d'être la même trace, hein. À deux doigts de m'emballer, moi. Ouais, ça, c'est toujours la même rotation, Martine, on connaît. Mais les pieds, tu... Normalement, tu retailles pas tes pieds, Martine. Elle les retailles pas. Qu'est-ce qu'elle me fait? Apparemment, il y a une fenêtre dans la salle qui est ouverte. Vous me dites celle devant toi. Toutes les fenêtres sont fermées. Pourquoi, il y en a une que j'ai... Non, ça j'ai regardé, Martine, c'est bon. Est-ce que tu veux que je regarde un autre côté? Ah, ça, elle me fait peur un peu quand même, hein, mais bon. Ça, je vous l'ai dit à voix basse, donc... Ça, mais ça, c'est bizarre, ce truc, non? Qu'elle a, j'ai l'impression. Elle a des bleus sur le bras. Martine a des bleus sur le bras? Putain, c'est vrai, t'as raison, elle a un truc, là. Great. Climb on in here and put everything into the record system. Ah, il s'en va! Don't forget to take the printout to the front desk so Zoe can add it to the packet for the family. After that... We'll get started. Bon, alors, attends, je vais aller sur le computer, comme il m'a dit. Voilà. Donc là, pour rentrer les informations du cadavre, click the record system icon to open the program. OK. I didn't say anything. You all right? I'm fine. Sorry. Marche. Record system. Donc moi, j'ai vu quelque chose au niveau de la tête. Hein. Martine, elle avait quelque chose au niveau de la tête. Hein. La leg, elle avait rien au niveau des jambes. Par contre, la contusion. De l'autre côté, Martine, maul. Merde. Attendez, j'ai fait une connerie. Merde, attendez. Ah voilà, c'est dans ce sens-là qu'il faut faire. L, arme. Ok. R, arme. Tout me paraît bon. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, c'est bon. Le nom, l'âge. Écoutez, c'est plutôt pas mal. 4 sur 4, c'est fait, j'envoie. Ça part en impression. Bonjour, monsieur. Ça s'imprime. Hein. J'attends. Voilà, ça y est. Paquet of mortuary, ok. Et donc là, ce papier-là, je m'occupe de le mettre là-bas. Mais c'est super bien foutu, hein. Mais il est super ce tutoriel, hein, pour t'expliquer un petit peu comment c'est foutu. C'est bien. T'es pas perdu. Très bon travail de la part des développeurs. Embalming report. C'est bon. Donc là, il est en mode, il est temps d'embaumer. All right. I've set everything out so you can just go ahead and get started. I'll be monitoring. Everything's on your list there if you need it. D'accord. Vous y allez? Ah, vous restez là? Ah, mais hey, moi, je suis contente, hein. S'il y a quelqu'un qui peut rester là et qui m'apprend les ficelles du métier, moi, ça me fait plaisir. Alors, Wire Joe shot with needle injector and setting... Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce que c'est que cela, attends? Attends, parce que je vous ai pas dit, mais je parle pas, très bien anglais. Voilà. Fil mâchoire fermée avec injecteur d'aiguille et réglage d'aiguille. Qu'est-ce qu'on va faire à Martine, monsieur? Un truc pour les dents? C'est ça. Needle injecteur, tool used for hammering setting needle. Oh putain, mais c'est ça qu'on va faire à Martine, je crois. I'm missing something. Oh là, attends. Plus de manip...
manipulator up and press injector button to drive Barb into the skull. Qu'est-ce qu'on va faire à Martine? Attendez, je commence à paniquer. I can't use that here. Ok. Attends, je commence à paniquer. Attendez, qu'est-ce qu'on va faire à... Je suis en train... I can't use that here. Ok, this is not souci for me. Hein. Large item. D'accord, donc là, il nous explique le placement des items. Il nous explique qu'on peut dropper les items, tout simplement, etc., etc. Pas de souci. Back. C'est peut-être pas ça qu'il faut faire à Martine avant. Ice caps. Non, mais si, c'est ça. Attends, moisturizer point, c'était pas écrit? Needle injector and setting needle. Non, c'est ça. Hein. I'm missing something. I'm... Ah! Voilà, elle dit qu'il manque quelque chose. Ça doit être ça. Wipe to moisturize the skin. Putain, les gars, je sais pas si c'est ça. Je sais pas ce qu'on est en train de faire à Martine. Peut-être ça. Ah non, needle, c'est ça, les noodles, là. Les pâtes. Oh putain. Attendez, on est en train de faire des choses peut-être qui vont nous dépasser. Martine, c'est comme chez le dentiste. Tu prends une grande inspiration, ça va bien se passer, ok? Je gère, Martine. Martine, je gère. Hein. Putain, je sais pas ce que je fais. Attends, Martine. Il se passe quelque chose, je sais pas. Alors, je sais pas encore exactement quoi. Mais il se passe quelque chose, Martine. Putain, je fais des sursauts. Je sais pas ce que je lui fais, ça me fait peur. Et putain. Putain. Ça va, Martine? There we go. Oh la vache, je... Ah bah là, c'est sûr que tu pourras plus ouvrir ta gueule. Hein. Là, c'est sûr qu'à ce niveau-là... Ça va, monsieur, j'ai bien fait? Elle pourra plus jamais parler, là. Ok. Ensuite. Insert eye caps to keep eyes shut. Donc là, faut que je mette ça pour garder ses yeux fermés. Oh putain. Placing eye caps. Use the manipulator to open. Ok, donc on va utiliser le truc qui manipule là pour ouvrir l'œil de Martine. Et dès que c'est complètement ouvert, on place. On interagit avec l'œil et on place le. Je sais pas quoi là. Enfin, le truc pour fermer. Ça va, Martine? Oh! Alright. Ok. What the fuck, c'est quoi ça? Putain, je m'y connais pas, mais c'est... Putain, moi qui pensais que ça allait pas falloir s'étonner si elle me hante jusqu'à demain. Mix en bolmide. Donc dedans, elle veut que je mette du gluta, du méthanol, du humectant et du format minouille. Donc, tout est fermé. Super. Donc j'imagine que tout n'est pas très loin. Ah bah tiens. Oh bah alors ça... Alors ça, ça fait plaisir. Alors... Meta. I can't hold anything else. I can't hold anything. Ah, merde. Attends. Je drop ça. Que j'ai jeté par terre. Il faudra s'en souvenir du coup. Qu'est-ce qu'il y a? Sometimes we get chemicals that haven't been stored properly. Ma gueule. And it can make them pop like that. Just keep doing your thing. I'll get it. Alors. Il y a des trucs qui sont tombés là. Moi je dis ça, je dis rien. Il y a des choses qui... Il y a des choses qui sont tombées, hein. Et arrêtez de vous approcher comme ça de moi, parce que ça commence à me stresser, là. D'accord? On m'a dit, tu viens pour un stage. J'ai dit d'accord. Retrouver Martine, c'est avec plaisir. Là, il y a des trucs qui pètent de partout, ça a commencé à m'angoisser. Hein. Allez, hop, un peu de gluta. Martine, je te mets un peu de vitamine D, Z, E, X, parce que bon... Ok. Make an incision in the carotid artery and jugular vein with scalpel. Donc je prends le scalpel et je fais une incision dans la carotid and jugular vein. Putain. Elle va me détester après tout ça. Okay, Martine, t'inquiète, je gère, je vais bien m'occuper de toi.
Je donnerai tout, Martine, pour t'aider. Some item need to be used directly on the body. To use an item, open quick inventory and select the item need. Ok. Donc là, j'ai besoin d'un item. Mais un item que je n'ai pas. Et pas Martine pour le moment. Attendez. En fait, Martine, elle veut que je lui mette ça, non? Le trocard. Non, c'est pas du tout le trocard. C'est ça. C'est ça. L'artérie forceps. Ok, Martine, je te mets la... Je te mets ça, tu respires un grand coup. C'est comme un... C'est comme un piercing, c'est pareil. Voilà. Ça va? Ça se passe bien, Martine? Respire un coup. On va utiliser le forceps to clump tubing to buzz vein and connect to humble mim pump. Forceps to clump tubing. Attends. Parce que là... Forceps to clump tubing. Il faut que je tube Martine. Ah, attends. Attends, attends. C'est ça, non? Oui, c'est ça. Le truc de tubing. Ok. Martine, je te mets le tubing. Oh la vache. Tu m'as l'air bien connecté, dis donc. Tu vas capter, sûrement capter la fibre. Hein. Alors. Elle se vide. Hein. Ça flot, ça coule à flot. Ça va péter dans 2 minutes. C'est bon, c'est fini. Ok. Martine, c'est bon. Putain, t'as géré, hein. T'as géré, ma grande. Hein. C'est bien, Martine. T'es une warrior, toi, ça se voit. Allez, ma petite Martine. Fill an empty reservoir bag with cavity fluid and insert rocard into the abdominal cavity. Oh la vache. Alors attends. C'est ça? C'est pas ça. C'est ça? Flex bag. Can't hold anything else. Alors attendez. Parce que là, je drop. Ok. Ah! Oh, vous l'avez vu? La tête de Wham, il y a quelqu'un qui est passé. La tête de Wham, il y a quelqu'un qui est passé. Il y a quelqu'un qui a fait un aller-retour. Enfin, il a juste fait un... Je vous jure qu'il y a quelqu'un qui est passé. Je vous le jure, quelqu'un est passé. Mais personne n'arrive. Mais vous avez de la merde à la place des yeux, hein. Il y a quelqu'un qui est passé, je vous dis. Il a fait de droite à gauche. Mais vous avez rien vu? Mais c'est pas possible, vous voyez jamais rien. Il y a quelqu'un qui est passé, je vous dis. Putain, j'ai pas confiance. Allez, réservoir bague. Monsieur, vous l'avez vu là, vous êtes en plein axe. Vous êtes en plein axe. Vous l'avez sûrement vu, hein. Quelqu'un est passé, hein. Moi je dis ça, je dis rien, mais ça m'a l'air hanté, votre endroit. Ça m'a l'air hanté, mais bon. Bon, Martine, on y retourne. Voilà, ça, on va utiliser le trocard. On nettoie. C'est fou, hein. C'est une vidange complète en fait, finalement. Ta gueule! Merci Tony pour ton abonnement. There we go. Comment ça, here we go? Parce qu'après, mix cleaner in bathroom closet to create tank cleaner. Oh, on l'avait pas cette mécanique. On l'avait pas du tout. Là, il nous demande de mixer dans la salle de bain pour créer un tank cleaner. Mix cleaner in bathroom closet to create tank cleaner. On n'a jamais eu ça. Flow cleaner. Et tu mets dedans? Et là on a le tank cleaner? Ah, oh, j'aime pas moi quand il y a des frises comme ça. Qui dit frise dit chargement.
Mix cleaner, une bathroom closet, secret tank cleaner. Then pour into the embalming pump. Donc je mets ça là-dedans. Et après, faut que je mette de la moisissure sur Martine. Les gars, je sais pas si on dit moisissure, mais... Oh, le tuto, il est méga propre. Moi qui suis nul en anglais, il est très propre. Hein. Donc là, faut que j'applique ça sur Martine. Oh, une petite lotion. Ok, ok. Une petite lotion à appliquer sur la... Tell you what. What? Why don't you go ahead and head out? I'll take over from here. Are you sure? I just got here. Don't worry. You're doing great. I'll get the last of your paperwork sorted today and call you in for your first shift. Martine? Putain, excusez-moi, mais du coup, j'ai pas du tout écouté ce qu'il m'a dit. Bon, je vais refaire le truc facial machin. Go ahead. It's fine. I'll give you a call when we get someone in. Il est où le truc moisturizer, je sais pas quoi. Moi j'ai vraiment eu un moment de panique, hein. Ah, il m'a dit de partir. Ah merde. Du coup je m'en vais. Bon bah je me casse, hein. Oh, quel nettoyage. Mais quel nettoyage, dis donc. Oh la vache. It was just really weird. So some stuff fell over. That's not a big deal. No, I know. It wasn't even my fault, but he sent me home right after that. I'm just really worried. He was supposed to finalize my stuff today. And he said he would, right? Yeah. So that's a good thing. Yeah, it just didn't feel like he meant it. Like, he just said it to get me out of the building. Wait a sec, I have another call. Ah, un autre appel. Hey Rebecca, it's Raymond. Oh, hi Mr. Delver. Look, if I did anything wrong today, just... No, no. I wanted to apologize. You've done a fantastic job. Just not feeling too well. That's actually why I'm calling. I know it's late, but we just got three new cadavers, and no one else can make it in right now. I was hoping you could come in and take care of them. Well, yeah. Are you sure? I mean, of course. Excellent. Et voilà. Doing me a huge favor. Nous a rappelé pour le boulot. I took care of the rest of your onboarding. We're all set. And your new badge is in your personal belongings drawer in the back room. That's great. Thank you. I'm on my way right now. I hope you feel better. Thanks again. I'll see you tomorrow. Bye. Holy shit! That was him. He signed me on. He needs me to come in tonight. See? I told you it was fine. Congratulations. Congratulations. Thanks. Congratulations. I have to go. Super. Like, right now. I'll talk to you later. Bon, en gros, on est en train de parler à notre pote. Where are my keys? Et donc, du coup, le mec, il nous a appelé. Le mec... ah bah tiens, les clés sont là. Attends, temporary item de notre tech. Up space in your normal inventory. Ok, donc c'est des items temporaires, du coup ça ne prend pas de place dans ton inventaire, ça. Ça se barre dès qu'il le faut. Moi je vais ouvrir tout ça en attendant, ce sera très bien. Donc en fait le mec pour qui on bossait tout à l'heure, il nous a rappelé, il a besoin de nous là. Donc en fait on va y aller. Et du coup on a dit à notre pote, bon bah je te laisse, il m'a appelé. Du coup on est en mode, tu vois, regarde, ça s'est super bien passé. Je peux prendre un truc à bouffer. Avant de mourir. Mais quoi? Non mais attendez, moi je me pose des questions existentielles. Qui se lave les dents au-dessus de sa machine à laver? Non mais qui fait ça? Qui se lave les dents au-dessus de sa machine à laver? Au bout d'un moment, il suffirait d'arrêter les conneries.
Sans déconner. Non mais, une fois c'est marrant, deux fois, mais quand même. Frigo, pardon, j'ai dit machine à laver. Frigo, excusez-moi. Oui, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Ah bah hop, c'est parti, Riverfield. Alright, guess I'll head to the back and get started. Oh putain! C'est qui? Je peux pas ouvrir? Mais c'est qui? Putain, ça appelle. Mr. Delver, I need help. Someone's outside the mortuary. Just try to stay calm. I know you're scared. I'll unlock the door in a moment. What? This is very sudden, but listen to me. We have to start right away. I'm sorry. I didn't know until it made itself known this morning that it was here, let alone bound to you. Mais comment ça, mais monsieur? I had no way of knowing the possession had started. Quoi? Look, this isn't funny. Stop. La possession a commencé? You need to act quickly. Mais quoi? I'll just leave. I'll just fucking leave. You can't leave, Rebecca. I can't allow that for you or for others. It's far too dangerous. What am I supposed to do then? Most bodies I work with at night are fine. So we stay calm. Mais quoi? Okay. We embalm. Mais... File the paperwork. Everything. Treat it like a normal day. Mais c'est une blague? Will help. I left some things for you on the desk. I'll call again when you get to the embalming room. No, wait. Oh, damn it. What the fuck? This is insane. Mais attends, attends, attends. Okay. This is so stupid. Merci Martine pour tes 5 euros. Just some hazing for the new girl or something. Just play along. Mais c'est quoi ces conneries? On m'a enfermé. Donc le mec était dehors, il m'a enfermé volontairement ici, il m'a dit il y a un cas de possession, mais ne paniquez pas, hein. Faites vraiment stay calm, hein. Restez très calme, faites comme d'habitude et ça va bien se passer. Une vieille clé, la clé du hall et un recorder. J'ai juste envie de canner, hein, mais bon... Donc là, putain, j'étais jamais. Je me chie dessus, ça commence. That's not it. I'm fucking quitting tomorrow. I mean, who does something like this? Attendez. Oui, oui, j'arrive, j'arrive. Oui. I'm sorry, but this entire thing is extremely c'est vraiment pas drôle, hein. Unprofessional. If this is how you treat new hires, I don't think I can work for you. This isn't funny. La gueule. Rebecca, you don't have to believe me, but I hope you do before it's too late. The only way to save yourself is to banish the demon before you're too far gone. To do that, you will need to learn hein? The demon's name, bind it to its chosen body, and burn it in the retort. Mais quoi? Mais attends, 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 attends. I know this is a lot to take in. I wish I could do more for you. I had years to learn what I know. You have hours. I've recorded a number of cassettes to instruct you in the hope that having a physical object with a known message will help you stay grounded. I won't be calling again. You can't trust the phones. Anything can on nage en plein délire là. Listen to the tapes. Learn the demon's name. Burn the correct body. The most important thing in the room is in that cabinet. Open it up. Good luck, Rebecca. I'm sorry this happened. Donc en gros, il est en train de me dire qu'il y a un démon. This is insane. Il faut que je trouve le nom du démon. Just be the professional one, grab a body and get started. En gros, le mec me dit dans le plus grand des calmes, il y a un démon. Tema, trouve le nom du démon et tu crames le corps. Ça va bien se passer. Mais c'est plus une morgue là, hein. C'est... Oh là là, une petite cassette appelée One Night Shift System. The Night Shift Database. A computer program combined.
my findings into one reference Whatever. Point. Just the database contains body. All the information on the process of expulsion, the tools used, and most importantly, all the markings of the known demonic names. If you ever forget what to do, replay these tapes or look it up in the database. The collection of demonic names is the most crucial piece to the puzzle. T'as mis me fait chier, c'est cru où le mec là? My ID card is in my personal belongings drawer. On the back is the passcode to access it. Use it. Bon. C'est cassette 3. Non. Je veux pas la cassette 3. Eh merde. At every moment, the demon is funneling its energy through you, weakening you, until you are unable to resist. Identifying a demonic entity is a delicate balance. The further you are from possession, the more time you have. The closer you are, the more the demon will make itself known, allowing you the information to guess its name and the body it's bound to. The only way I've found to tell how far along a possession is on your own is to scribble on a piece of paper. Comment je me sens pas bien? Just scribble. Look carefully. If you notice anything strange, it's starting to take hold. Ouais, mais attends, crame le bon corps. There's a notepad and a Augustus Alexis Martinez checking from time ou to time Carmelo Knight. Voilà, on va prendre le Knight. Bien mon Knight. Ah, faut chercher le... Attends, je le sens pas, hein. Le patron, il est en roue libre, il a pas... Il a pas à faire des trucs comme ça, le mec, hein. Il m'appelle, moi je veux rendre service. Là, on tombe sur un... Oh putain! Cruel building. Lock me in here. Scare the shit out of me. Écoutez, c'est moi qui ai parlé ou c'était quelqu'un d'autre? Ouais, non, mais là, ça va pas, là. Ils vont pas commencer à tous me faire chier un nain, hein. Fuck. Oh, il me fait trop peur. La tête de Wam, il me fait trop peur. Ok, on y va. Tranquille. On respire. Ça va bien se passer. Alright, let's check you out. I don't have my clipboard. Ah, on n'a pas le machin board là. At least I can keep track of things. Putain, je le sens mal, hein. Ok, promis. Hello? Nope, nope. Hello. New job. I'm getting out of here. Par. Va-t'en. I don't care how long I went to school. New career path. Fuck this. Fine. Maybe... No. Maybe... Everything's fine. It's fine. Quoi? What? No, I... You're just... C'est le démon qui me parle, hein? I'm just seeing things. I need to get back to work. It's fine. Mais quoi? Mais putain, la reine des connes! Excusez-moi, mais là, c'est trop... Elle se fait parler pas. C'est un démon qui m'a parlé, hein. Oh non. Oh non. Bon, le bras, faites voir votre bras. I'm getting back to work. So stupid. Ok. Bon, ça va très mal se dégoupiller, hein. Moi, je propose qu'on crame la personne tout de suite, hein. Qu'elle ait fait quelque chose ou non. Dans le doute, on crame les trois, on trouvera forcément le possédé, hein. Je suis pas bien. Alors... On va commencer par rentrer le nom.
ainsi que l'âge de la personne. Au niveau de la tête, elle shoulder, ça se passe plutôt pas mal. Merde. Ah non, il n'y a rien, excusez-moi. Je confonds tout le temps. 1, 2, 3, 4. J'ai trouvé 1, 2, 3, 4. C'est bon. J'ai tout. Oh non, il reste un truc que j'ai pas vu. Apparemment. Qu'est-ce que j'ai pas vu? There we go. Ok. Donc 5 sur 5. Ok, c'est bon. Je vais rester contre mon imprimante comme ça et ne pas regarder ce qu'il y a derrière. Comme ça, je vous dis que si ça vient me péter à la tronche. I need to file the copy up front. Je sens que ça va très mal se dégoupiller. Time to embalm. Alors, injector. Ah, le fameux truc d'injector. Hein. Ah, mais cette fois-ci, tout est rentré. Ah, putain. Donc là, faut tout trouver par soi-même, quoi. Moisturizer, humectant, je sais pas quoi. Le tubing. Ah, c'est écrit sur les trucs. Putain, j'ai trop peur qu'il y ait des dingueries. Hein. Il y avait ça, mais j'avais du fil aussi. C'est ça, non? Non, ça c'est le high cap. Je sais pas quoi, là. Oh, une clé. Large hall key. What? La porte, elle s'est ouverte. C'est pas une porte auto, hein. La porte s'est ouverte toute seule. Hein. L'accès du mec. Encore des clés. Extra key. Raymond, you really need a key to the hatch outside. Cleaner is low and you mentioned having some down there before. I know you don't trust anyone. Mais quoi? C'était pour aller dehors, ces clés? Je vais me chier dessus, hein. Je préfère vous le dire. Je me sens très stressée, là. Je sais pas où est le truc pour les dents. Il y avait un truc pour les dents, tout à l'heure. Ça m'étonnerait que ce soit là. C'est où? Bon, je vais fermer la porte. Je me sentirai moins stressée. Je suis vraiment pas bien, les gars. Il me faut... Putain. Mais il est où, le truc? C'est du fil qu'il me faut. Il est où, le fil? Vous savez où est le fil? Faut que je me manie. Au même endroit où t'as pris la seringue. Non, c'est pas ça. Ah, mais si, c'est ça! Autant pour moi, effectivement, c'est ça. There we go.
Après, il y avait le truc pour les yeux. Il est là. Ça venait d'où ce bruit de merde? Tout le monde a entendu la même chose que moi? Je suis bourré. C'était quoi ce bruit? C'est sûr qu'il y a quelqu'un. All right. Ta gueule! Oh, c'est fou parce que étonnamment, je me sens très mal d'un coup. Merci infiniment, Tilbou, pour les 8 subscribes offerts. C'est très gentil. Je me sens excessivement mal d'un coup. Bon. Mais je vais pas à la porte, hein. De la merde. Je suis tellement pas bien, là. Guta, méta, humectant, format. Quoi? Réagent in the hall de cabine. Non mais moi ça me va très bien. Moi je vais faire comme ça. Format. Moi ça me va très très bien mon fonctionnement. Méthanol Luta. Il manque le méthanol. J'ai trop peur. Ok, je le vois. C'est quoi ça, réagent in the hall de cabine? Les gars, je vais me chier dessus. Ça ne va pas. J'ai envie d'enlever le casque là. Hall de cabine, c'est quoi? Hall de cabine. I already have one of those. C'est que le même truc? Oh putain! Je me sens pas bien. To banish a demon to hell, it must be bound to its chosen body and burned. I can't hold anything else. The three objects in this cabinet. First, the clay tablet in the center is called a mark. Placing the smaller pieces in the correct configuration will spell the demon's name. Second, the bottles on the top shelf are a special reagent that will react to the mark. Je sais pas ce que je dois faire. J'éteins le PC, ça marche ou pas? During the process, when the mark is placed on the correct body with the reagent inside, it will force the demon to become bound to it. Pay attention to signs that you have chosen correctly. C'est ça le truc? They can be obvious or extremely subtle. Once you are certain the demon is bound to its vessel, burn it. Finally, the pieces of paper on the right are called letting strips. It must inscribe the sigils of its name in our world to begin the evocation. You will need to uncover these sigils to use them. Hold a letting strip up while wandering the mortuary. Oh la vache. When it begins to smolder and burn, you're close. When the paper combusts, et après on s'étonne qu'on passe des journées de merde. Somewhere in that area. They can be anywhere. So look on walls, under objects, inside furniture. Je me sens pas bien. Anywhere. The demon will inscribe its sigils over time to try and hide them. So check regularly.
Once you uncover the sigils, use the night shift database to decide which demon you're dealing with, and use that knowledge to create the mark. The steps are simple. Add the reagent to the embalming mixture. Uncover the sigils. Build the mark and place it on. Ça va me péter à la gueule. Je sais pas si vous rendez compte. Hein. Il a bougé ? Ou c'est à cause de... du câble ? Why did you let me die? What? Mais attends, sa mère, il... Mais... Il a parlé ? Monsieur ? Oh, j'ai envie de... Ah, j'ai envie d'enlever le casque, allez tous vous faire foutre, j'en ai marre. Je dis non, j'enlève le casque. La tête de Wham, il a parlé. This is all your fault. Oh putain! I regret every second with you. Time is running out, Rebecca. Oh putain! Je me sens pas bien. I'm missing something. Mais comment tu veux aller bien dans ce type de situation? Flexback, c'est ça? Non, mais moi ça va pas. Je préfère être honnête avec vous dès le départ et le dire, ça ne va pas du tout. Le mec s'est levé, il m'a parlé en démon. Traduction, je vais te bousiller tes grands morts. Tu peux pas faire plus simple. Hein. Vous m'entendez correctement malgré le son? Je suis pas bien. Comment tu veux être bien? Comment tu veux bien dormir après tout ça? C'est pas possible, un chapeau à ceux qui font ce métier. There we go. Mix cleaner in the... Ah, le fameux cleaner pour faire du tank cleaner. Je vais me faire goumer. Ah, je lui mets ça sur la gueule. Non mais niquez-vous, d'accord? Non, c'est bon, moi j'en ai marre là. Oh, une fois c'est marrant, deux fois c'est marrant, mais tu vas retourner trois fois le tour de ton slip, Martine. Et je te le dis, hein. Ça commence à plus me faire rire, ces conneries, hein. Putain, mais je... Ah, ça me fait chier, moi, ce jeu. Alright. Et là, Return the Body to the Cold Storage. Oh là là. Appelez la police, hein. Je pense que ça sera bien pour tout le monde. Hein. Ce type de situation, c'est plus possible. Il va se retourner, il va me regarder, c'est sûr. J'ai eu trop peur. Merde. Autant
méchants. Au début, je faisais hyper attention aux gens. Autant là, je commence à être méchante avec eux. Bonjour, monsieur. Use letter strip. Non, non, non. Putain, j'ai trop peur. Comment ça brûle le corps? Comment ça fallait le brûler? Mais on sait pas si c'est le démon. Oh putain, mais si, il m'a parlé. Oh putain, le con. Mais vous avez raison. Ah si, vous avez raison, putain. Oui, merde. Mais quoi? Pour connaître son nom. Si on brûle le mauvais, on meurt. Oh merde. T'as pas le nom. Mais comment on fait pour avoir son nom? C'est la merde, hein. Comment je fais pour avoir son nom? Fous-le au feu, va-t'en. Non mais c'est son vrai nom, démon. Oh putain. Bon. Écoutez, je vais déjà faire comme ça. Écoutez, monsieur Martin, laissez-vous guider par le son de ma voix. J'avoue que brûler le bâtiment, par contre, c'est un bon truc, je suis assez d'accord. Oh putain. Me dis pas que je l'ai fait bugger le bug. Merde! Non, non, le toc c'est dans vos têtes. Ça sonne pas, ça toque pas. Ah, ça toque pas. Y'a personne ici. Bon, j'ai un problème. Hein. Lui, j'arrive plus à le récupérer. On va faire Martine. Voilà. C'est des bruits d'ambiance, exactement. Oh putain. Attendez, parce que là ça va pas du tout. Non mais un démon ne donne jamais son nom. Vous imaginez? Je suis en train de checker le démon et d'un seul coup le démon il fait je m'appelle Martin. Ça nique tout. Genre le démon il va jamais donner son nom. Tiens, le cabinet avec les... Il y a quelqu'un. La tête de Wham, il y a quelqu'un, j'enlève le casque. La tête de Wham, il y a quelqu'un. T'es qui toi, Bellatrix Lestrange? Là, t'en veux une dans ta gueule? Oh, Avada Kedavra, tu repartes derrière? C'est la porte qui a fermé maintenant. J'en peux plus. Je vais passer dans l'au-delà. Je préfère vous le dire, dans 2 minutes, je passe dans l'au-delà. Mais à partir de maintenant, tout ce que j'entends, ce n'est que des bruits ambiants. Y a personne. Putain. Je vais faire un malaise. Ok, il y a quelque chose là. Fais voir tes petites mains. T'as quelque chose aux petites mains? Va des rétro Satanas, hein, Martine. Allez. Oh les gars, je vous jure que je suis stressée.
Il y avait quelqu'un au plafond, non? Oh putain, je commence à être parano, ça y est, je vois des choses qui ne devraient pas exister. Oh putain. Ah mais Carmelo Knight. Ah ça, c'est quelqu'un d'autre, ça. Alors. Âge 20 ans. Ouais, ouais, je vois qu'il manque des trucs, effectivement. Il manque des choses, on va y aller. On va y aller. Ah, ça va, ça va, ça va bien se passer. Ok, il manque encore deux choses que j'ai pas vues. Potentiellement la gambette, voilà. Ah. Elle a des trous à la gambette. Je l'avais vu, est-ce qu'elle avait dans le dos ou pas? Non, ne me touchez pas. Le point noir, Kiki. Ah oui, vous aviez raison. Effectivement. Effectivement, vous avez l'œil. Hein, aussi. Putain, mais je vois des choses au plafond, les gars. Oh la vache, je vois des choses au plafond. Hein. Attends, 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 attends. Bougez pas, bougez pas. Air arm, on l'a fait ou pas? Oui. Air shoulder, non, on l'a pas fait. Ça envoie. Arrêtez. J'ai ouvert deux secondes. J'ai eu une dinguerie. Hein. Tu veux savoir sur le... T'as un tuto sur le PC pour le démon? Ah oui, moi je suis intéressée. Un tutoriel comment vaincre un démon. C'est quoi Night Shift? This system is only for Riverfield Morty. Je sais pas, il est où le tuto? Attends, là c'est fait. J'aimerais me barrer. Enter machin, mais ça c'est fait ça. Attends, putain je suis en panique, c'est ouf. Ce jeu me met dans tous mes états. Ok, ça c'est fait. C'est quoi cette merde? En gros, faudra que je mette des pentacles ici là, des logos, des trucs. Mais je sais pas comment je vais faire moi. Ah, le papier de l'imprimante, mais oui. Putain, à chaque fois j'ai l'impression qu'il y a un truc au plafond. Attends, 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 attends. J'en peux plus moi, des portes qui s'ouvrent, qui se ferment, qui s'ouvrent, qui se ferment. Allez, nique-toi. C'est rien, les portes qui s'ouvrent, qui se ferment, c'est qu'il y a un problème de vent. Ça arrive souvent. Il y a un problème de vent. Ok? Donc on va pas se mettre à paniquer, il n'y a pas besoin de paniquer. Hein? On va pas paniquer. Si vous dites qu'il faut pas paniquer, c'est qu'il faut pas paniquer. Faites-moi confiance. Oh putain... Allez, on va peut-être un petit coup de pression, là. Allez, hop. Les gars, je suis tendue de ouf. C'est le problème, hein, ça, quand on laisse aérer les pièces. Ça fait du vent.
There we go. Les courants d'air, tout ça. Hein. Rebecca ? Arrêtez ! Arrêtez ! Oui ? C'est moi ? Ah non, grand-mère, hein. Oh putain ! Qu'est-ce que c'est ça ? Mom. Oh, la mère, elle est morte. Mais non, c'est... You stupid bitch. Hate me all you want. He's dead because of you. You should be the one here. Lifeless. Worthless. Wait on me. It's me. Putain! Oh putain! Oh le... J'ai eu un coup de pression. Oh, je m'attendais... Déjà, la séquence était hyper flippante, mais alors le truc, quand le mec il te chope là... Bon, on va mettre les trucs au niveau des yeux du coup, on en était là. Oh putain! Allez, on va mettre les trucs pour embaumer. Personne ne me touche. Hein. La vie de WAM, j'appelle la police. Hein. Faut que je mette l'autre produit encore. Non mais je suis en fou de ce jeu. Vous vous rendez pas compte. Je sais pas si vous vivez pareil que moi. Mais il est méga flippant. Je suis fou paniqué, je sais plus ce que je peux faire. Ah non! Mais putain, mais je suis pas en sécurité, je peux crever d'une minute à l'autre en fait. Putain, mais je vais passer dans le monde à l'envers d'une minute à l'autre avec ces conneries. Les gars, vous vivez le jeu comme moi ou pas ? Mal, tout se passe très mal. Peut-être un petit coup de seringue encore.
Bon, allez, adieu tout le monde. J'en ai rien à foutre de faire une tête de tortue ou je sais pas quoi. Moquez-vous de moi si vous le souhaitez. C'est pas grave. Ok? Ah, je peux pas. Ça sur la gueule et puis c'est tout hein. Oh c'est trop d'angoisse ce jeu, c'est trop de... C'est bon. Les gens qui plissent jamais les yeux... je sais plus parler. Les gens qui ne plissent jamais les yeux quand ils jouent un jeu d'horreur, vous êtes des cracks. Ne me touchez pas. Peut-être partir. Attendez. Allez hop. Toi tu dégages dedans. Qu'est-ce que je fais? Barre-toi, hein. Barre-toi, Martine, hein. C'est ton moment, hein. Oh, là, j'ai tout unlocké, quoi. Bah, franchement, c'est ton moment. Barre-toi. C'est pas ça, that's not it. Putain, c'est con parce que... Oh, il y a quelque chose à l'arrière. Ah bah faudrait... Eh, ça, faut qu'on s'en souvienne, hein. Ouais, mais attends, le problème, c'est que j'ai tout laissé ouvert. Bon, les gars, par contre, concrètement, qu'est-ce que je fais? Il y a lui. Je me suis pas encore occupée. C'est le dernier dont je me suis pas encore occupée, le mec. C'est le dernier. Il pleut dans la baraque, là. Les gars, ma caméra elle s'est coupée. Attendez, ma caméra elle s'est coupée. Je suis en train de me chier dans mon froc. Plus la merde cette histoire. On soit tous d'accord les uns avec les autres. La caméra elle a vraiment jamais fait ça quoi. Putain.
Ok. Vas-y, tourne la joue, Martin. On va voir dans le... Ok. Non, c'est pas normal. Il pleut dans le... dans la baraque. Oui, ça devient flou quand le perso hallucine. Ok. Le troisième corps, hein. Alors, c'est Monsieur Augustus, âgé de 33 ans. Il a des conditions, pardon, je ne sais plus parler, à la tête. On va rester focus sur ce qu'on a à faire là. Ça va très très bien se passer. Air leg, pardon. Bah c'est bon, non? 1, 2, 3, 4. 4. Mais attendez, les gars, on trouve... Il pleut dans la... Est-ce que je devrais pas relancer le jeu? On peut pas faire de sauvegarde, merde. De sortir volontairement. Il pleut plus là, c'est bon. Si? Il pleut plus. Oh. Bon, du coup, je me sens pas très bien. Je pense que tout le monde l'a deviné. Attendez, j'ai un logo sur ma caméra. What the fuck? J'ai un logo sur ma caméra pour me dire que ma caméra est en train de surchauffer. What the fuck? Mais j'ai jamais eu ça, moi. Oh putain. Attends. Dégage. Jamais eu de logo sur ma caméra pour me dire qu'elle surchauffait. Les gars, il se passe des trucs sur The Mortuary Assistant, je ne comprends plus là. Il se passe des trucs trop louches sur ce stream. Hein. Je vais envoyer un message au développeur, je vais lui dire écoutez, il se passe des trucs très étranges. Après, du coup, je vais devoir faire un feat avec Gus. Parce que du coup, il y a des fantômes. There we go. Tu dois faire quoi? Oh non. C'est pour les calendriers, on n'est pas intéressé, madame. Mais sans déconner. Genre, comment je trouve le démon, les gars? J'aurais fini les trois que j'aurais pas trouvé le démon, hein. Ça, elle va mal finir, cette histoire, hein. Ça se passe bien.
que le premier il a parlé, hein. Quand tu t'insistes le code de l'ordinateur, il est derrière la carte. Bah ça doit être le mec. 55-44. Oh putain. Night Chief Database. Oh la vache. Non, non, y'a rien à la fenêtre, y'a rien à la fenêtre. Putain. Connasse. Mais t'es horrible, hein. Ouh, la gueuse. Oh, la gueuse. Night Shift. Night Shift. J'y vais. Lens, vite. Je traduis. Ok. Alors. Cette base de données est une collection de toutes mes découvertes liées au bannissement des démons cupides, à l'histoire du démon et aux outils que j'ai trouvés grâce à mes recherches. Ok, donc il y a l'histoire démoniaque, le nom démoniaque identifié, le démon, embaumé, comparer les sceaux démoniaques, trouver... Oh non, mais attendez, là ça va être la merde. Mais le démon, c'est le premier mec. Raymond, this feels insane, but I think you were right. This has happened a few times now, but let me see if I can get in here. Le démon, c'est le premier mec. There it is. Ah, genre il a des petits spasmes. Mais non. Immolation. Mais non, mais quand... On va être dans la merde, hein, pour trouver son nom, gars. Oh, comme on est dans la merde. Bon, attendez. Les gars, pour moi, c'est le premier que j'ai pris tout à l'heure. Vous croyez pas? Le premier de tout à l'heure, genre comment il a agi. Il est déjà le mec qui s'est vénère sur moi, là, eux ils se vénèrent pas pour le moment. Oh là là. Non mais vous savez, attendez, vous savez que je suis stressée de ouf là. Attendez, parce que genre j'ai jamais eu ça et vu que je suis un peu une parano, je suis en mode oh ça se trouve il y a dinguerie. Ça se trouve il y a grosse dinguerie. Je te conseille d'aller à l'église de... Putain! Mix cleaner in bathroom. Ok, vas-y. Ouais, bah l'HDMI qui fait chauffer. Super, j'achète un câble HDMI pour être en full qualité pour vous. Vous voyez ma tête de tortue en full qualité. Ah putain! Bonsoir. C'est pour les calendriers. J'espère que vous allez bien. Paraît bien belle cette chambre, dis donc, je peux rentrer? Get tubing by bed. Get needle from bathroom. By bed.
T'es en train de me dire que genre... Quoi? Allô? Attends. Get tubing by bed, get needle from bathroom, lighter, spoon, full baggy on kitchen counter. Qu'est-ce que c'est que cette... Quoi? Tu n'as pas vu la personne qui grimpe à la porte? Et Samara qui montait au plafond. Quoi? 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 Mais j'ai rien vu du tout. Mais non. Il y a quelqu'un qui montait au plafond? Sur la porte devant toi. Putain, mais attendez... Sérieux? Oh, j'ai eu du cul là sur ce coup. La porte avant que tu rentres. Bon les gars, je sais pas ce que je suis censée faire. Hein. Il écrit by bed. Du coup, le bed, il n'y en a pas 10 000. Ah! Bathroom, needle. D'accord. Find lighter. Comment ça, genre juste de la lumière? La télé? Attends, ça me demande juste de trouver de la lumière, c'est tout? Ah, c'est briquet. Where is the briquet? Quelqu'un sait où est le briquet? Là. Spoon from coffee table. Find full baggy on kitchen. Mais qu'est-ce qu'on a foutu? On était drogués? Oh putain! J'ai pas osé bouger! Osez bouger les gars. Oh putain. Oh, j'aurais dû bouger. Hein. Vous savez que sans déconner j'ai cette sensation, je sens que je vais me pisser dessus au bout d'un moment, j'ai encore envie de faire pipi. C'est pas possible. Faut quand même pas passer mon temps à me pisser dessus. Ça veut dire qu'il faut cramer l'autre.
Donc le premier. Mais il faut que je trouve son nom avant. C'est lui là qui se lève et tout. Lui il est possédé lui. Je suis pas bien. Putain, je suis pas bien. Allez. Ah putain. Oh putain. Réfléchisse. Les gars, faut qu'on réfléchisse très vite là. Putain. Each is convinced that the demon belongs to one treehouse of service and the balls attend. Nananana. Donc c'est quoi, il y a trois types de démons et trois façons de les cramer. Ah non, mais comment on va trouver son nom? C'est beau, Steldouk, Anek, Balmet. Comment déjà connaître son nom? Il faut son nom démoniaque. Parchemin. Qu'est-ce que je peux faire de ce parchemin de merde? The Demoniac Evocation, quel lien peut-il compléter dans The Demon et son avis forcément. All a strip up as the demoniac sigil il s'approchait de the paper will begin to smolder, the closer the parchemin becomes the more violent. Donc je prends le papier et je l'approche. D'aller là-bas. Oh putain. Oh le bordel. Ah bah c'est fini hein. Finito pepito comme on dit dans le jargon hein. C'est foutu pour moi. C'est foutu. Donc c'est totalement lui qui est possédé hein. Oh on est mort. C'est mort, c'est mort, c'est mort. Il a gagné. Oh, il a gagné le démon. Oh putain. Un câble. Non mais c'est lui le démon de merde là. Attendez, c'est bon non? Oh putain. Donc ça c'est fait. Je pense que ça c'est bon hein. Lighting parchemin. Les marques. Il y a une marque là. Ah j'avoue qu'il a une marque là. Il a un truc un peu en mode Blair Witch. En bas du premier, non, ça y ressemble. Oh, oh putain! Il nous fait du rodéo! Oh putain! Mais il va me péter à la gueule là! Ok. Oh le pauvre gars. Ok. On est mort, hein.
On est mort. Le logo, vite. Le logo, le logo, le logo. De toute urgence, le chat, le chat, le chat. C'était lequel? Comment ça prend une taille avec le papier? Oh putain, non, non, non. Oh là! Oh là! Ok, on va rester comme ça. C'est pas normal. Putain! Le démon, il a pris possession de moi à la fin. Oh, j'ai eu la bad ending! Je me suis fait posséder! Oh, putain! Oh, comment il m'a fait peur, le... connard! Pas ça. Are you sure this is the right one? You sure this is the right one? Ah. Allez, je vais le cramer. C'est de la merde. Oh putain. Ah mais ça c'est pour nous avertir ça quand elle fait ça. Are you sure this is the right one? Are you sure? This... Ouais, vas-y, je suis sûr. Je suis sûr. Je pense que c'est pas bon mais je pense que c'est pas bon. Pourquoi ça marche pas? Ah! Je suis foutu, hein. Tout est fermé. Je crois que c'est bon. Je crois que c'est bon. Good morning. It's nice not to be the one down there for a change. Raymond? I suppose a first name basis is in order. Did I make it? Is it over? For
never really over. You've come a long way. It's a lot to learn. I'm so glad I'm here. I know it's disorienting. You'll get used to it. You should head home and get some rest. Every night can be different. I think I'm fine. Are you sure? You seem out of it. Oh, I've just been waiting for so, so long. What? What are you? Oh, no. You chose the wrong body. Rebecca! Rebecca's not here, you fucking idiot! You can see worthless. Watch your flesh go away and drink it as it melts from your pitiful frame! Worthless old shit! Et hop, Vecna. Ah, ça nous a fait une Vecna, là. Hein. Allez, hop, dans le créma. Wouah. T'avais le bon corps, mais t'as été trop lente. Donc j'ai été trop lente, là. Oh. Sérieux ?